Pas besoin d'une liste. Ça va, c'est assez rapide. Je dirais grep ou coffre. Alors, musique à Nigella, c'est presque 20 ans de concert avec des copains. Et au centre de tout ça, un grand et merveilleux jardin. Je dirais que je préfère la confiture au cochon à la lune de miel. Alors, pourquoi avais-je choisi un métier artistique? C'était. J'ai toujours voulu être un artiste. Je voulais faire mon numéro quand l'avion se pose sur la piste, à Rotterdam ou à Rio. Sans hésitation, rate à frites. Je déteste la fritouille. Mon compositeur préféré, c'est Takenori Nemoto. Ça fait 20 ans que je viens au festival Musica Nigella. J'ai l'intention d'y retourner encore pendant 20 ans. Donc mon compositeur favori, c'est Takenori Nemoto. Il a créé de la musique fantastique. En deuxième, il y a Ludwig van Beethoven. Mais le festival de Beethoven est quand même vachement moins sympa que le festival de Takenori Nemoto. De plus, j'y suis pas invité. Chien ou chat? Chien ou chat? Chat ou chien? Chien, chien, chat, chat. L'œuvre qui a marqué mon enfance, c'est les 4 saisons de Vivaldi. Ça tombe bien, je vais les jouer au festival. Pendant longtemps, je ne pouvais plus les supporter, mais maintenant ça va, je suis content de les jouer. Voilà, les 4 saisons de Vivaldi, c'est pas super original, mais c'est quand même c'est le cas, donc je vais pas mentir juste pour vous faire plaisir. Mer ou montagne, j'ai un peu envie de citer Jean-Paul Belmondo dans À bout de souffle. Pire ou le fou, je sais plus. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Ben, je jouerai les 4 saisons de Vivaldi. Je viens d'en parler. Mais maintenant, j'aime bien quand même. Et c'est pas pour rien que c'est un tube. Et puis le merveilleux Masque de la Mort Rouge qui est sur le disque du festival dédié à Caplet de cette année avec la merveilleuse Iris Torossian à la harpe. Voilà, donc ça sera les deux œuvres que je joue cette année.